Ah, c'est vrai que les goûts changent, Jacques, quand t'es enceinte. C'est rendu que j'aime la musique avec l'auto-tune. Ah, oh, je pense que le bébé va sortir! J'arrive à Saint-Dimassin. J'ai rendez-vous mon médecin. J'explique que je suis enceinte. J'explique la situation. Il m'explique que j'ai des hallucinations. Il dit t'auras pas de petite fille ni de petit garçon. Pour lui, mon récit n'est qu'une pure fabrication. Un produit issu de mon imagination. Il dit on va te donner de la médication. Fait que je prends de rage et je me frisse. J'ai dit ça va endommager le fœtus. Fils de colon. Est-ce que voyons donc. Prendre des médicaments quand t'es enceinte, c'est dangereux, réveil. Le médecin dit que j'ai un problème entre les deux oreilles. Il veut savoir si j'ai pris de la drogue. J'ai dit que je veux voir un gynécologue. Puisque je suis vraiment dingue. Je pense vraiment que je suis enceinte. Puisqu'il veut réellement passer une échographie, il veut me transférer dans psychiatrie. J'ai envie de me faire capoter. J'ai dit, je sais pas si tu vas garder le bébé. Je pense bien qu'il va me faire avorter. Le médecin dit que je suis fou, je sors de son bureau choqué. Je commence à être bien tanné, je me fais dire que je suis trop fucké. Je suis bien choqué. Je me rassis dans mon champ, dans mon camion. J'en viens chez nous à maison. Puis je décide de m'asseoir dans un bon salon. Tout d'un coup, je me mets à avoir des contractions. Je trébuche et je constate que mes buts se contractent. J'ai l'anus qui gonfle back. J'arrive pas à y croire. Ça y est, c'est à soir que je vais accoucher de mon petit bébé. Je me mets à foncer et à pousser. Je force toute la journée. Je trouve ça bien bizarre. Je pousse, mais y'a rien qui sort. Je continue à pousser, mais y'a rien qui sort. J'ai pas le choix d'accoucher, faut que j'y parvienne. Je force toute la journée et toute la semaine. J'ai mal aux abdos, je saigne. Je vais m'avoir une esthétique malsaine. J'essaie de me faire ma propre césarienne. Faut que je sorte le bébé par ma bedaine. Avec mes mains hors mon abdomen. C'est une bonne idée. Je pense que je vais m'étouper. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que calice, j'ai des triplés. J'essaie de m'étouper. Puis là-dedans, c'est que ça fait quand même pleurer.